Downloading global position. Initiating party sequence. Party sequence initiated. Commence party introduction. You're about to witness perfection. Get your hands off! Let my party people let me. The following will lead your senses numb. Euphoria. It's time for Studio 69. Bon début de week-end tout le monde. Bienvenue à notre sixième épisode du Studio 69. Cette semaine, on a un artiste très spécial. Il a vendu un peu plus de 1,4 million d'albums. Il nous présente son 59e album en carrière. Alors, sans plus attendre, nul autre que D-Noy. Salut Brian. Salut Dan, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey, j'ai vu que tu revenais tout juste de Ibiza. Ouais, ben en fait, j'étais là la semaine passée pour le IMS, qui est le Ibiza Music Summit, qui est une convention musicale où tous les DJ sont là sur place pour jouer leur nouvelle production, aussi pour rencontrer les autres DJ, parler musique, nouvelles tendances, et j'avais à jouer là-bas aussi, donc c'est un mélange de tout ça. Ah, donc c'était pas des vacances? C'est jamais des vacances, Ibiza. Et en même temps, tout le monde croit que c'est la fête. C'est la fête pour ceux qui sont devant nous. Pour nous autres, c'est un peu différent, effectivement. Ouais. 59e album, Dan. Ouais. C'est en fait disponible partout au Canada depuis minuit hier soir. C'est le Summer Session 2016. Je vais vous jouer une couple de chansons de cet album-là dans la prochaine heure. Puis j'espère que les gens vont apprécier un peu le son qui va être amené à vous dans les prochains mois, en fait, avec le gros soleil. On espère qu'il va être là à un moment donné parce qu'il fait pas très, très chaud. Non, effectivement. Tu es arrivé au studio, tu n'as pas demandé de laptop, tu n'as pas demandé de lecteur CD ou quoi que ce soit. Non. Avec quoi tu mixes maintenant? Bon, je travaille avec le USB, en fait. Je mets tout ma banque de musique là-dessus, sur deux lecteurs très simples, les CDJ-2000. Généralement, c'est ce que j'apprécie le plus, travailler avec le Nexus, tout ça. Et voilà, je suis un peu old school là-dessus. Je critique pas les gens, les DJ qui travaillent avec des laptops, non, loin de là. Mais moi, j'aime sentir le mix rentrer. J'aime que ce soit pas un ordinateur qui fasse tout pour moi. J'aime ça que ce soit comme... Puis si je manque un mix, ben tant pis. Puis en même temps, à la limite, ben ça donne un côté plus humain à tout ça. C'est tout. Super. Alors, toi, mixer avec des vinyles... Et j'ai fait ça longtemps, oui. Longtemps? As-tu encore toute ta collection? Ouais, ben je te dirais que les derniers vinyles que j'ai achetés, c'était peut-être début de 2001. C'était encore un peu disponible, mais maintenant, c'est très, très difficile d'avoir des chansons actuelles en vinyle. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer en vinyle. C'est une des raisons aussi pourquoi il n'y a presque plus de table tournante dans les bars ou même les gros shows. On va avoir des tables tournantes souvent, mais les gars vont travailler avec ce qu'on appelle les vinyles Serato qui sont encodés. Puis bon, ils contrôlent le DMP3, mais avec des vinyles, c'est pas mauvais en soi, c'est cool. Puis, sauf que moi, j'aimais vraiment le son du vinyle, parce que bon, ça a tellement de richesse. Pour les gens qui ont connu le son du vinyle, ils vont savoir de quoi je parle. Puis, effectivement, si c'était, je te dirais, s'il y avait une tendance qui arrivait à un moment donné où tous les DJ se remettraient à jouer au vinyle, je serais l'homme les plus heureux au monde, c'est sûr, certain. Alors, à ton prochain rendez-vous au Studio 69, on s'attend à un setup vinyle avec toi? Je pourrais, mais sauf que je pourrais pas jouer des chansons actuelles. Or, mec, ce serait, comme je te dis, en contrôleur Serato. Mais jouer, par exemple, un set old school, je pourrais le faire. Je te dirais... Je pourrais peut-être te faire, mettons, mon top 40 des dernières années que j'ai joué en vinyle. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être drôle. T'sais. Effectivement. Alors, je crois le mois prochain, ça serait un rendez-vous. Oh boy, si vite que ça. OK. Non. Oh, regarde, j'ai pas non, de problème. Non, mais justement, c'est vrai. Cet été, tu es vraiment occupé avec le lancement de ton album. Ouais. Tu te présentes un paquet d'endroits en même temps. Ben, je crois que j'ai... un petit peu plus de 25 dates à faire cet été. Environ 2 à 3 par semaine. Je fais beaucoup de festivals cet été. Je me promène un peu partout à travers le Québec. Je vais un petit peu en Ontario aussi. Et une fois dans l'Ouest canadien. Quelques dates aussi au Nouveau-Brunswick. Là, j'arrive de l'international pour le côté des visas. Je retourne après ça. Ça va être en mois d'octobre, côté d'Amsterdam.
Donc, je fais peut-être, je te dirais, une dizaine, 10 à 15 dates par année à l'international. Et le reste, c'est principalement le Québec, mon Québec, que j'aime bien. Ah oui? Et un petit peu au Canada, Canada anglais aussi. Donc, d'ici à la fin de l'été, on s'attend que tu reviennes nous revoir en studio. Ça me fait plaisir. Mais si on fait un setup vinyle, ça va être vraiment cool. J'aimerais ça, là. Vraiment. Si tu m'offres ça, je reviens, c'est sûr, certain. Bon, c'est pas rentré dans l'oreille d'un source. On s'est sûr et certain qu'on va te revoir. C'est sûr. C'est sûr, certain. Si en vinyle, ça fait longtemps en plus que j'ai pas joué en vinyle, fait que ça va être un retour aux sources. Ça va être très, très plaisant. Parfait. Alors, sans plus attendre, on va embarquer avec toi pour la prochaine heure. Ouais. Et n'oubliez pas, sur Facebook, vous pouvez aller liker ce vidéo. On organise un concours également. On fait tirer un album. Si vous commentez dans cette vidéo-là, vous pouvez également partager. Vous devez également liker ce vidéo-là. Puis par la suite, parmi tous ces gens-là, on fera tirer l'album de Dan Desnoyers à la fin de la soirée. Parfait. Puis juste pour te donner une idée, ce que je vais faire, ce que j'ai en tête de faire un peu ce soir, c'est de te jouer un début qui va être assez mollo, commercial. Et je vais y aller graduellement côté plus club, plus le côté edgy de Dan Desnoyers, Dan Dinoy, qui est mon nom de DJ. Et je vais terminer ça avec quelque chose, une petite touche un peu... spécial. Ah, j'ai bien hâte d'entendre ça. Alors, sans plus attendre, Dan Desnoyers au mix.